Et salut les amis, c'est The Link, on se retrouve pour l'épisode numéro 14.3 de Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien, la dernière fois on avait très mal fini, je m'en souviens, dans cette salle qui est derrière cette porte d'ailleurs. Et on va y retourner, j'espère que je vais pas me planter direct. Alors, je suis rentré dedans et je suis ressorti instantanément, c'est pour ça que vous voyez la petite flèche sur la carte. Pour vérifier que c'était bien cette salle-là, étant donné que j'y suis revenu. Alors, oui, j'étais déjà sur le bon, je crois. Je regarde, la porte est normalement à droite, si je ne me trompe pas. Oui, donc on va aller directement sur la droite. On va faire gaffe. Allez, accroche-toi. Non. Ok, c'est bon, c'est foutu. On va se faire reprendre et on va aller à l'entrée. Je suis sûr. Allez. Oh punaise, la chance. Ah là c'est vraiment de la chance, j'en suis sûr. Ok, on les gère au grappin. Allez viens là toi. Voilà. Boum, mange. Voilà, donc on a passé dans un nouveau couloir, on n'est jamais venu ici. On a une clé, c'est parfait. Ok lol, what the fuck. Qu'est-ce qu'on a? Observons. On a un œil qui semble être dans de la glace. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est plutôt facile. Je pense. Enfin, dans le principe, c'est facile. On va évidemment prendre l'arc et devra viser à travers la flamme pour dégeler, tout simplement. Cet œil, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais on va vite le découvrir, je pense. J'espère. J'ai plus joué, donc je pars rôder à l'arc. Ok, c'est. Comme je disais, c'est plus simple dans le principe que dans les faits, en fait. Bon. On est parti pour quelques tours de manège. Je pense que je me suis bien placé avec l'arc, donc je vais pas bouger. Ah, oh, ça me paraît chaud quand même. Peut-être un petit peu plus haut. On va voir. Je sais plus exactement comment on va viser avec l'arc, hein. Comme je l'ai dit, j'ai plus joué depuis la dernière fois tout simplement. Donc, ok, plus bas, j'étais bien placé. Bon, désolé, on va devoir faire des petits tours de manège. C'est lent. Bon, là c'est bon, je pense. Si on a un bon timing, il y a moyen. Maintenant. Non, sérieux. Va te faire voir. Je me suis bougé de l'arc en plus. Non. Bon, on va faire comme si on le visait tout le temps. Je pense comme ça c'est bien. Je suis meilleur à l'arc sur Minecraft, hein. Ça, y a pas de doute. Genre. Maintenant. Non. Mais. Je tire trop haut en plus. C'est reparti. On y arrive bientôt. Attention, suspense, grand moment de suspense là. Non mais sérieux. Please quoi. Bon, on est à peu près au 48e tour. Est-ce qu'on va y arriver? Telle est la question. Le mec va passer tout l'épisode à faire ça. Ok, très bien. Bonne ambiance. Je m'incline parfaitement vers le mur. Voilà. Et je pense qu'au prochain, si j'y arrive pas, je vous fais une ellipse. Hein, parce que, voilà quoi. Je vois déjà bien le truc en fait. Un petit écran noir avec écrit 508 essais plus tard. Peut-être un autre numéro, on sait pas. Bon écoutez, je vous fais une ellipse et on se retrouve après parce que là ça va pas être possible de vous montrer ça pendant 25 minutes. Hein.
Oui, j'y suis arrivé, c'était magnifique. Oh là là, c'était magnifique. Bon, vous pouvez voir, moi. Oh non, un autre couloir tordu. Please. Vous pouvez voir donc mon nombre d'essais, à mon nombre de flèches. Je n'ai pas fait tant que ça après l'ellipse en fait. Donc c'est plutôt bien. Si on pouvait finir ce tour, histoire que je puisse revenir de l'autre côté. Et je sais qu'il y a des mains de l'autre côté en plus, encore une fois. Encore et toujours. Oh non, et ceux-là ils sont encore là. Viens là toi. Tiens, mal. Bam. Allez, encore un. Boum. Quoi? Non. Allez, on l'a. Veux-tu bien viser? Merci. Voilà, quand même. Il était pas compliqué, mais c'est juste que j'ai des petits problèmes en fait. Non, je rigole, j'ai absolument aucun problème. Où est-ce qu'on doit aller? Carte. Je préfère regarder la carte pour savoir de quel côté on doit aller. Vers la gauche? Vers la gauche. Ah ouais, non, je pense qu'il y a un trou en dessous. C'est parti. Non, mais prends pas l'échelle. Ok, bonjour. Je connais cette salle. Link, attention, le plafond nous tombe dessus. Je pense qu'ici c'est bon. On peut même pas regarder en l'air. Oh, le truc de sadique. Ok, c'est qui le patron? On va y aller très prudemment. Oh punaise! Sur le bouton, sur le bouton, sur le bouton. Ok, il y a une porte là-bas qui s'est ouverte. What? On peut même pas viser à l'arc. C'est n'importe quoi. J'ai pas regardé où il y avait des trous. Donc je peux pas pour l'instant. Ok, le prochain trou est là. Ici. Si on est bien. Ensuite, on va préparer le grappin. Pour le truc qui va nous tomber sur la gueule. Non mais me pousse pas en dehors. On a même récupéré un cœur, c'est parfait. Écoutez, je ne dis pas non. Et on récupère un coffre au passage. Avec des flèches. Merci. Ça rembourse un peu ce que j'ai perdu avec mes 31 000 essais. Et on sort. Ok, très bien. Ok. What the hell? Ok, il y a une torche. Je sens qu'on va allumer une nouvelle lampe ici. J'aime ça. Ah. Ok, c'est une sorte de puzzle. Oh punaise, d'accord, très bien. Encore un. Je crois que c'est bon là. Mais c'est impossible. À la vitesse où on va, c'est impossible. Allez, on y croit quand même. Comme ça. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Sérieux. Cette pièce est de trop, non?
pièces de trop. Les sadiques. Ok, c'est perdu, je sais pas ce qu'on va faire, mais j'aime pas ça. Ok, ils remontent juste. Oh, ils remontent à leur place en plus. Oh non, sérieux là. C'est sérieux là. Nintendo, mais pourquoi? Ce qui est bien, c'est que la pièce en trop est devenue noire. Donc on sait que c'est une pièce en trop maintenant. Même si, bon, il n'y avait pas besoin qu'elle soit noire pour que je le devine maintenant, mais... Et j'ai tiré dans le trop, génial, comment perdre du temps. Encore un... Voilà. Perfect. Allez, il y a moyen là, on le connaît. C'est bon. Viens mon coco. Ça va mettre sa masse de temps à les mettre. 20 secondes, ça va être chaud. C'est hyper chaud en fait. Je crois que c'est bon, mais on va voir. Oui, c'est bon. Allez, 15 secondes pour le pousser. Allez. Allez, Link, pousse plus vite. S'il te plaît. Tu peux pas me faire ça. Oh merci. Et il apparaît. Ok, très bien. Même technique que d'habitude. Pourquoi il s'est bougé la visée, je ne sais pas. On s'en souvient, c'est un petit peu long. Mais c'est plutôt facile. Reviens ici. On l'a coincé dans un coin. Parfait. Allez. Oh mais genre il a disparu au même moment. Tiens mange. Allez. Voilà c'est fini. Bon lui il était plutôt facile hein. Mais les autres aussi tout de même. C'est pas très difficile à battre. Il suffit d'être patient. Et d'avoir un arc. Bon bah voilà, une flamme en plus, c'est plutôt cool, je sais pas où est l'autre, par contre. Non, mais franchement, vous pensez encore m'avoir avec des pièges comme ça. Surtout aussi voyant quoi. Ok. Oh il est là. Voyez, c'est lui. C'est le dernier. Ok. Il se démultiplie. Attaque clonage. Oh mon dieu. Oh, c'était lui. Really? Je parie qu'il va encore m'entourer. Voilà. Si on n'a pas de luck, on ne peut pas gagner. Oh, un peu de luck. Pas mal. J'espère qu'il faut pas lui mettre autant de flèches qu'aux autres parce que je n'accepterai pas ça. Ok, c'est encore lui. GG.
J'espère qu'il faut pas faire autre chose. Non, il a l'air de faire que ça. C'est lui, je le sens. Voilà, quand je fais pas au hasard, ben je gagne jamais. C'est toujours comme ça. J'ai pas de chance. Oui, bonjour. Par contre, les flèches, faut pas en essayer. Faut pas en user 25 000, quoi. Oui, on l'a eu. Ok, c'était easy. Non, je rigole. Peut-être pas à ce point-là, mais c'était pas hyper difficile non plus. Oh, j'ai voulu la flèche, mais j'ai dû faire un truc. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça fait ici? Ok, on descend. Bonjour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le boss. What? Ici, on a un interrupteur. Action. Ah oui. Il y a des entrées en fait. Et il faut mettre les entrées en face des bons trous encore, pour le dire ainsi. Ça a ouvert une porte. Je ne sais pas où. On va continuer de faire tourner la salle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ça on pourra tout voir de toute manière. Et les chemins sont représentés par les tapis au sol, apparemment. Un autre interrupteur ici. Qui ouvre une autre porte bleue, j'ai cru voir. De toute manière, il n'y a rien d'autre d'ouvert là. Donc on va continuer de faire tourner. Ok, on a libéré ça, un petit coffre. Je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Des flèches, j'imagine. Et ouais. Parce que je crois que je sais ce que c'est le boss, en fait. Et là, normalement, ça ouvre le boss, alors, puisqu'on aurait tout fait. Ah, bah non. Est-ce qu'on est revenu? Non, on n'est pas revenu. Ah oui, on est revenu au point de départ, sauf que on a ouvert la porte pour rentrer ici. Donc maintenant, ça ouvre la porte pour aller au boss, j'imagine. En effet. Ok, très très bien. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? C'est parti. Punaise, oui, c'est ça. Oh punaise, je suis tellement pas prêt. Oui, bonjour. Ah. On ne peut donc pas ressortir. Bonne ambiance. Et regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Avec son rire. Mais c'est très particulier. Voilà.
Esprit maléfique de l'au-delà, Ganon Spectral. Et oui, Ganon Spectral. Alors, on va avoir besoin de notre arc. C'est très très bien fait, je trouve, à chaque fois. Est-ce qu'il m'a eu? Je ne crois pas. Là, non, là, il a quitté. Il arrive là. Je sais pas si en le touchant. Mais... non, ça fait rien. Oh le. Oh piège. Ça fait mal. De ce qui va arriver. Il va encore nous faire une feinte à la. Même plus ce qu'il faut faire. Punaise, je sais pas se prendre game over. Attendez deux secondes. Fais une pause. On se calme. J'essaye de me souvenir. Mais. Je pensais à l'arc, mais comment éviter son truc là? J'ai bien une. Je vois un truc dans ma tête que je ne vous dirai pas, mais je ne sais pas comment en arriver là en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut y aller et tant pis si on se prend un game over, écoutez. C'est pas très grave. Je suis un nouveau, vous le savez. Oh, je l'ai évité. Ce son est insupportable. Je l'admets. Ok, bonjour. Ok. On ne peut pas l'avoir. Attendez. Honnêtement, je sais, je le vois. Je vais chercher, je vous fais une ellipse, je suis désolé, mais je cherche parce que je vois à peu près ce qu'il faut faire, mais je m'en souviens plus exactement. Je vais peut-être le faire en jeu, si je me prends un game over, tant pis, je vous le dirai de toute manière si je m'en prends un. Puis je reviendrai de toute manière, mais là il faut que je réfléchisse. Bon, ok, honnêtement, j'ai souvenir de ce qu'il faut faire et je vais vous le dire. J'avais raison, c'est ce que j'essayais de faire en fait, c'était de lui tirer une flèche dans le tableau, mais je crois que je le fais pas au bon moment, je pensais quand il sort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire, vous voyez que j'ai la même vie, j'ai exactement les mêmes trucs. Donc, je vais rester dans l'écran de pause, on va y retourner. Et on va se préparer à l'arc, quelque part. Le voilà. Je suis prêt. Ok, c'était pas lui. Très bien. Et on se prend un game over. Et la flèche qui est en l'air très bien. Ok, mais c'est pas grave. Écoutez, premier game over, j'espère qu'il n'y en aura pas plus. Je suis désolé. On va sauvegarder quand même. On va reprendre, c'est très le Skype, désolé. Bon, désolé, petite ellipse faite à l'arrache, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé. Vous avez rien raté, hein, je suis juste revenu jusqu'ici, j'ai que 4 cœurs pour le faire, donc ça va être chaud. Je crois que j'ai plus beaucoup de flèches par contre. Dites-moi qu'on peut sortir. On peut pas sortir, mais je vais jamais réussir à le faire avec 10 flèches. Genre jamais. C'est le boss, on va leur sortir, que ça se lance, voilà. C'est parti. Il est là. On l'a eu. Qu'est-ce qu'il arrive?
J'arrive là. J'espère que c'est le bon. C'est pas le bon. La chance. Je le dis clairement, c'est de la chance. Hop. Il y en a un là et un là. On va voir lequel c'est. C'est lui. On l'a encore eu. Parfait. Il est plutôt chaud. Où est-ce qu'il va arriver? Là et là. Lequel des deux? Celui-là. On l'a eu. Ok. C'est là que j'avais mon souvenir. Et là, il va falloir faire du tennis. Ok, très bien. Il faut que je m'éloigne de lui aussi, surtout. Voyez. Hop. J'ai pas eu le temps d'aller lui mettre un coup d'épée. C'est plutôt chaud. C'est stressant. On lui a bien remis. Aïe, ça fait mal. Va se faire avoir 50 fois encore. Il la renvoie. Bien vu. Allez. Ah, ça fait mal. Je vais encore perdre. C'est pas grave. De plus en plus vite, c'est chaud. Yes, on l'a eu. Ok, on n'a plus qu'un cœur. Je pense que lui est très très bon lui aussi. Allez, on se rate pas. Ah, c'est perdu, dommage. C'est dommage. Bon, ok, on l'a, hein, clairement on l'a. Il me faudrait plus de cœurs de base en fait. J'avais pas repris tous mes cœurs parce que j'en avais pas trouvé tout simplement. On sauvegarde. Deux game over. Il est badass. Il est badass, mais on l'a, je pense. Il me faudrait plus de cœurs et ce sera bon. Bon, je fais une ellipse, je reviens, je prends des cœurs, tout ça, et puis on se retrouve. Bon, voilà, on se retrouve à nouveau devant la fameuse porte du boss. J'ai tous mes cœurs et j'ai des flèches donc. On est paré, on va lui mettre sa pâtée parce qu'il m'énerve. Je suis sûr qu'on peut le faire maintenant. Ouais, donc on va le relancer quand on veut sortir. Voilà, très bien, t'es gentil. Est-ce qu'il est? Il est là. Vas-y, retourne chez toi. On va regarder quand il est parti. Ok, il a disparu. Il est là et là. J'aime bien quand c'est les deux, un à côté de l'autre, parce qu'on peut vite changer. Et ça protège le bouclier, donc ça c'est cool. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là? Non. Il est là. J'espère que c'est lui. C'est pas lui, évidemment. On se protège. On regarde quand il disparaît. Disparu. Il revient là. Et là. Ok, les opposés, génial. Yes, j'ai pris le bon. Okay, il repart par là. Alors quand il disparaît à nouveau, il revient par le même côté. Et là. Et là, ça recommence. Et là, il faut que je m'éloigne absolument de lui parce que s'il me colle trop, je ne l'aurai pas. Voilà.
Tiens, mange. On lui met cher, ça va. Ok, il m'a eu. On l'a eu aussi. J'accepte. Ah, oh, on l'a pas eu, sérieux. Dommage. Avec son rire en plus. Parfait. Tu vas manger, oui. C'est moi pour le rire, c'est mon frère qui est à côté de moi. Mange, méchant, vilain, pas beau. On l'a mis pas mal cher là. J'anticipe un peu plus. J'essaye en tout cas. Je veux bien faire un échange de tennis avec moi. Voilà, place-toi de ton côté du terrain et tu fais passer la balle au-dessus du filet. Bravo. Je te renvoie et tu retapes. Voilà. Apprenez à jouer au tennis avec Zelda. Oui. Est-ce que c'est bon? Mange. Oui, on l'a eu. On l'a eu. Perfect. Eh ben, il nous aura causé pas mal de soucis. Alors, moucheron, tu as appris à combattre. Tu revendiques le sang des guerriers. Tu n'as vaincu que mon faible spectre. Quand l'heure de l'affrontement sonnera, l'ombre du trépas sera sur toi. Ce fantôme était une création pitoyable. Je vais le bannir par-delà les seuils dimensionnels. Eh ben, dites-moi, c'était chaud. Il nous aura donné du fil à retordre, lui, hein. Vous obtenez un cœur d'énergie, c'est génial, tout est beau, tout est bien qui finit bien, mais que va-t-il se passer quand on va sortir? Ok, on est dans un cristal. Sanctuaire des sages, nous voilà revenus. J'adore cet endroit. Oh, Saria! Merci, merci beaucoup. Grâce à toi, je m'éveille à la conscience de sage. Je suis Saria, merci, sage du temple de la forêt. J'ai toujours su que tu reviendrais. Je le savais. Je te connais bien. Non? Quoi non? Tu n'as pas besoin de te justifier devant moi. Le destin n'a pas voulu que nous vivions dans le même monde. En tant que sage de la forêt, ma place est ici. Tiens, prends ce médaillon. Et second médaillon. Et voilà, c'est parfait ça. Il nous en reste donc 4. vous recevez le médaillon de la forêt. Saria se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Saria sera toujours ton amie. Oui, je le sais. Oh, regardez où on atterrit, quoi.
Ok lol, what the fuck. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Bourson de l'arbre Mozo. Comme tu as brisé la malédiction du temple de la forêt, je peux te croire et fleurir. Merci beaucoup. Tu as vu tes anciens amis. Je ne pense pas qu'ils te reconnaissent avec ta grande taille. Bon, je pense que je vais commencer à lire normalement parce que c'est un peu... voilà. C'est parce que les Kokiri ne grandissent jamais. Même après 7 ans, ils restent des enfants. Tu dois te demander alors... pourquoi tu as grandi? Bon, comme tu as déjà dû le deviner, tu n'es pas vraiment un Kokiri. Tu es en fait Ilien. Je suis si content de te révéler ce secret. Donc, tu es le bourgeon de l'arbre Mojo, toi, Eb. Il y a très longtemps, il y eut une guerre terrible, avant même que le roi Hyrule n'unifie ce pays. Un jour, pour échapper à ce conflit, une maman élienne et son petit bébé entrèrent dans cette forêt interdite. Cette pauvre maman était gravement blessée. Son seul espoir était de confier son bébé à l'arbre Mojo, l'esprit gardien de la forêt. J'imagine que c'est nous. L'arbre Mojo pouvait déjà sentir le pouvoir de cet enfant dont la destinée allait affecter le monde entier. Ainsi fut-il adopté. Après la mort de sa pauvre maman, il fut élevé comme un Kokiri, et désormais, sa destinée doit s'accomplir. Tu es un Ilien. Depuis toujours, je savais que tu devais quitter la forêt. Tu connais ta propre destinée, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois sauver Hyrule. Va, Link, dissipe la malédiction jetée sur les temples et rétablis paix et amour sur Hyrule. Eh ben, merci. On vient d'apprendre un petit peu plus sur notre histoire personnelle, j'ai envie de dire. Pas mal intéressant. On va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu malgré mes... malgré mes nombreux fails sur le canon spectral, oui. Mais je trouve qu'il était pas mal compliqué quand même. Faut avouer, hein. Bon, j'aurais bien aimé pas me prendre de game over, mais c'est pas grave. Je connais pas le jeu parfaitement au point de savoir exactement quel endroit quoi faire. Donc c'est pas très grave, je suis quand même content. Bref, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un petit pouce vert, partager la vidéo, ou même vous abonner à la chaîne. Donc voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 15. Et oui, c'est fini, les épisodes 14, enfin. Et je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, on verra. Et je sais pas ce qu'il faut faire, on n'a pas plus d'infos que ça, donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde.